Quoi? Téléphone, c'est ton cousin Patrick. Patrick? Allô, cousin? Il faut que tu me rendes un grand service. J'ai une amie qui arrive de Sao Paulo, mais là, je suis Keblo, j'ai un conseil d'administration grave. Sois gentil, va la chercher. Attends, Patrick, j'ai une journée de ouf aujourd'hui. Tant pis, c'est pas grave. Je voulais te proposer de prendre la Rolls. La Rolls? Ah bah attends, je consulte mon planning. Hein. Bon, c'est vrai, la pauvre, si elle vient de Sao Paulo. Et dis-moi, pour les frais? Quels frais? Il y a tout ce qu'il faut à la maison. Tu la déposes, tu la fais patienter, tu lui sers à boire. Mais attention, tu la touches pas, hein. Attends, ça va, tu me prends pour qui? Bon, ça y est, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, ça va, c'est bon, bon, on y va. Oh. Ah. Oui, non, mais c'est gentil parce qu'on aimerait bien jouer, nous aussi. Ah, va jouer, voilà. Oh, mais c'est pas possible. Mais c'est qui ces mecs? Pour qui ils se prennent? Qu'est-ce qu'il y a? Je me concentre. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis pas en forme. Il est où le voiturier là? Sans déconner, c'est le bordel hein. S'il vous plaît, c'est la voiture jaune, merci hein. Ah, c'est très gentil, mais vous savez, j'ai déjà la mienne qui est juste là, vous voyez. Hé, hey, dis-moi, moi c'est la Rolls, d'accord? Tu fais pas trois tours avec, hein, d'accord? T'as qu'à la laisser là en double fil, comme ça je peux la voir. Tiens, voilà les clés. Et après, tu me gardes la voiture de mademoiselle qui est juste là. Vraiment, hein, désolé. Shoshana Boudboul. Serge Benabou. Enchanté. Hey, tout le plaisir est pour moi. Bonne journée. J'ai rendez-vous avec quelqu'un. Vous êtes? Patrick Habitbol. Enfin, c'est-à-dire que moi c'est Serge Benabou, mais Patrick Habitbol c'est mon cousin, comme j'ai eu le rendez-vous. Je vois, si vous voulez bien me suivre. Je l'ai pris pour le voiturier. Merci. Bonjour, Serge Benamou. Je suis le cousin à Patrick. Il m'a demandé de passer vous prendre. Mais pourquoi? Mais parce qu'il avait un petit empêchement, le pauvre, il est coincé. Bah, je suis désolé. Oh non. Non, cette fois-ci, c'est trop. Ah, attendez. 95 francs, monsieur. Ah, vous mettez ça sur le compte de monsieur Habitbol. Il a un compte ici. Hein? Ah, très bien, excusez-moi. Et vous voyez la table avec la jeune fille hein? Vous leur mettez une bouteille de champagne de la part de Serge Benamou. Sur le compte de monsieur Habitbol. T'as tout compris, toi. On y est. Et bon. Attendez. Et voilà. Ramène-moi. Patrick va arriver d'une minute à l'autre. Il n'y a pas amour, amour, hein? Non! Non, je suis très fâchée. Hein? Non! Je ne veux pas attendre jusqu'à demain matin. Non, tant pis pour toi, hein? C'était Patrick. Il vient pas. Alors là, il va me le payer. Oh, ça, il vient pas. Qu'est-ce que vous faites, là? Non. C'est mon cousin, je ne peux pas lui faire ça. Bon, on n'est pas obligé de lui dire. On n'est pas obligé de lui dire, non. Oh. Oh là là. Oh la vache. Ça va être terrible, cousin. Tu as la capote? Hein? Bah, il faut la capote. Hein? Oui. Où est-ce qu'elle sont? Oh, tiens, je suis un traître. Vite! J'arrive! Je vais te casser le cul, toi, tu vas pas comprendre. Où tu es? Arriba, querida!
Vas-y, va, Kérida, t'es bon, non, toi, hein. Ravis-toi, tu m'excites. Putain, ça fait les tours, les mecs, hein. Arrête. Putain, toi aussi, Eddie. Tu te croyais mon ami, hein. Non, moi, je voulais pas, ils m'ont forcé. Quoi? J'étais pas d'accord. Bon anniversaire, mon Sergio. Putain, et en plus, devant les conseils, sans déconner, j'ai l'air de quoi, moi. À qui c'est ça? À qui Serge, c'est? Serge, t'es trop bon. Non, là, c'est péché. Mais non, je t'assure, c'est très bon aussi. Montre-moi un peu ça. Allez. Arrête, mais lâche-moi. Bon anniversaire. Oula, 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 oula. T'es un vénard, toi, bien. Numéro, tu fais la gueule? S'il y a quelqu'un qui doit faire la gueule, et si c'est moi, hein, salopard. Pourquoi? Je te demande de t'occuper de mon ami et tu lui sautes dessus. Moi? Mais attends, mec! Quand je suis rentré, j'ai tout de suite vu que c'était une embrouille. Oh là! D'ailleurs, j'allais partir. Un slip kangourou? Tu prends pour un babo? Serge, tu m'as encore déçu. Sur les yeux de tonton Maurice, que j'aurais jamais fait une chose pareille, ça je peux te le jurer. Eh bien t'aurais dû, parce qu'au prix qu'elle m'a coûté, deux fois t'aurais pu la niquer. Allez, bon anniversaire. Je te jure, sur ma vie, j'ai pas pu venir, j'étais au boulot, voilà. Mais arrête, Isa, on va pas recommencer avec... Mais arrête, Isabelle, il y a ma femme qui est là, ok? Je peux pas te parler, d'accord? Tu comprends? Allô, Isa, Isabelle, Ah, Dove, mon chéri, dis-moi où tu étais. Rien, j'étais là, j'étais... Qu'est-ce que t'as? T'es tout bizarre. T'as des soucis? Alors voilà ce que j'ai pensé pour tes dettes. Quelle dette? Quelle dette? Tu me demandes quelle dette? Ça fait 20 ans que tu m'empruntes de l'oseille. Qu'est-ce que je dis depuis que tu es né? Écoute, Patrick, je mets de l'argent de côté, mais tu sais, c'est pas facile. Tu sais que j'ai un nouveau boulot maintenant. T'es conseiller chez Skyway? Ah. Il m'a appelé l'autre jour et il paraît que t'es toujours en retard. Arrête de tripoter ce truc-là, ça coûte les yeux de la tête. Tu m'écoutes?